Présentation d'un programme interactif en Flash où il est question de nombres accrochés à des dessins, ici des entiers dans des spirales. Précisons des coordonnées polaires particulières. Le point rouge marqué 2, par exemple, est défini par deux nombres. D'abord, la mesure de la longueur du rayon. Ensuite, la mesure de la longueur de l'arc. En radian, on rappelle que un angle plat a pour mesure 180 degrés, ou pi radian, et donc que la mesure en radian d'un angle plat est pi. Un radian correspond à environ 57 degrés. Alors voilà pour 1. Le nombre 1 est ici, 2, 3 dans ce repère particulier polaire. Alors, une spirale avec ses coordonnées, on voit apparaître ici une spirale en vert qui va de 0 à 12. On peut voir de plus près. 1, 2, 3, déjà vu, 4, cercle sur l'arc de rayon 4 et d'angle 4 pi. 5, 6, etc. Une valeur approchée de pi. Il se trouve que le point 22, point rouge 22, est très près de l'axe horizontal et on peut partir de 0 et tourner aussi un demi-tour, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 7 pi. On peut comprendre que pi est voisin de 22 septièmes. Une spirale de nombres premiers. Alors voilà un algorithme qui est fait sur la spirale, jusque 60 ici. Jusque 50 plutôt. Alors les nombres multiples de 2, les nombres dont la division par 2 donne 0, on les a enlevés. Les multiples de 3, les multiples de 5, les multiples de 7, enlevés. Il ne reste que les nombres premiers inférieurs à 50 sur cette spirale. Congruence modulo 6. Alors on fait apparaître ici les nombres entiers qui sont divisibles par 6, c'est-à-dire dont le reste dans la division par 6 est 0, 0, 6, 6 fois 2, 12, 12, 6 fois 3, 18, etc. Les nombres ensuite dont avec le reste de la division qui est 1. 1 et 6, 16 et 6, 13 et 6, 19, etc. Reste 2, on voit ici, 2, 8, 14. Reste 3, 3, 9, 15, etc. Reste 4, 10, 16, 22. Reste 5, 11, 17, 23. Alors voilà donc 5 branches de spirale qui font apparaître la congruence modulo 6. On rappelle ou on donne simplement des notations. Par exemple, 13 est congru à 7 modulo 6. 10 est congru à 4. 13 et 10, 23 est congru à 7 et 4, 11. 13 par 10, 130 est congru à 7 fois 4, 28 ici.
Alors, on n'étudie pas les congruences, mais on simplement on fait apparaître ces résultats avec des spirales. Encore des exemples avec des congruences. Congruence Molyo 2, ici, on trouve le dessin de l'entrée du site. Alors, quand on regarde les deux couleurs, on a les multiples de 2, 0, 2, 4, 6, c'est-à-dire les nombres pairs, et les multiples de 2, plus 1, 1, 3, 5, 7, ce sont les nombres impairs. Donc il y a deux spirales avec les nombres pairs et les nombres impairs dans ce dessin, tout simplement. Pour 4, même chose, on voit 4 couleurs, 4 branches. Les multiples de 4, les multiples de 4 plus 1, les multiples de 4 plus 2, plus 3. Les multiples de 5, on commence à voir plus clair. Et les multiples de 7. Le programme en flash peut être obtenu sur demande par mail ou bien téléchargé ici. Ces programmes en ActionScript 2 sont toujours lisibles, toujours utilisables avec l'émulateur Rufol par exemple.